André Lepar. La Voix du Nord est un grand journal qui a inauguré il y a quelques mois ses nouvelles rotatives, ses nouvelles imprimeries, un Marc en Bareuil, et qui en font un des journaux les plus modernes d'Europe. Mais ce soir, on va parler d'un jeune chanteur que vous avez un petit peu découvert et que vous allez nous présenter ce soir. Il s'appelle Claude Barzotti. Il est d'origine italienne, mais il vit dans le Nord, et plus exactement en Belgique. Eh bien, vous savez, Michel, que le Nord et la Belgique ont été le point de départ de grandes carrières dans la chanson, peut-être même la plus grande. Je veux parler de Jacques Brel. Premier gala à Lille, salle des facultés catholiques. Dernier gala, ses adieux au casino de Roubaix. Et puis, je ne voudrais pas passer sous le silence, Salvatore Adamo, Isabelle Aubray, Gaby Annie, Verlor. Annie Cordy, Raymond DeVos. Annie Cordy, Raymond DeVos, et on en oublie certainement. Alors je... Claude Barzotti. Claude Barzotti, c'est un fils de maçon, émigré, d'origine italienne. Et vous savez, Michel, que tous les Italiens, ou ils sont maçons, ou ils sont carreleurs, ou ils sont footballeurs, ou ils sont musiciens. Et Claude, pendant qu'il construisait sa maison avec son papa dans les environs de Bruxelles, il s'est mis à écrire des chansons parce qu'il est auteur, il est compositeur et il est interprète. 60 000 disques vendus en 4 mois en France, disques d'or en Belgique. Bien, on peut peut-être ajouter que son passé, son enfance, ressemble un petit peu à celle qu'on peut lire dans les Ritales de Cavana. Hein, c'est un petit peu Exactement. Ça. Exactement. D'ailleurs, il vient d'écrire une nouvelle chanson qu'il ne va pas interpréter ce soir, qui s'appelle « Le Rital ». Et qui sera, j'espère, un très grand succès également. Mais ce soir, pour vous, et spécialement pour vous, mesdames, une chanson qui vous est dédiée, Madame. C'est un grand succès, et je crois que Barzotti est prêt à faire une grande carrière, lui aussi. Eh bien voilà, un bon parrainage, Claude Barzotti. Merci André Lepar. Merci à la Voix du Nord. Thank you.
Claude Barzotti. Claude Barzotti avec en toile de fond celle qui fut la muse de Picasso. Michel Serrault, nous avons...